Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Judgment. Alors, on s'était laissé après avoir bien pillé les forêts. Et là, j'étais en train d'attendre l'attaque, parce que j'ai rien de mieux à faire en fait. Je vais pas envoyer mon équipe en expédition alors que l'attaque arrive dans pas longtemps. Ah, il faut y aller. Faut y aller régulièrement là où faire les machins. C'est ça, mais après on descend à 11 par jour. Si c'est cumulatif, je peux potentiellement être bien. Ennemi en approche. Bien. On va voir quand est-ce qu'ils arrivent. Je voulais comparer. Je voulais comparer avant toute chose un arc olympique et un arc en démonite. 15 de dégâts pour 22. 4-2 de vitesse d'attaque pour 5. 8 de portée pour 6. Précision 90 pour seulement 72. Ouais, l'arc olympique a le tir focalisé, oui, donc l'arc en démonite t'es pas fou. Du coup, Noya, tu vas équiper un arc olympique. Ce sera clairement mieux que ce que t'as. Allez, hop, sonnez l'alarme, tout le monde rentre. Du coup, Noya, je peux te mettre là. Je peux te mettre là-dedans. Comment tu es là-dedans? Les survivants postés à l'intérieur pourront mieux défendre la colonie. Seuls les survivants équipés d'armes à distance peuvent l'occuper lors d'un combat. Ouais, tu peux pas, toi? Non? Maria, tu peux pas non plus? Ah oui, il faut attendre le combat alors. D'accord, Noya est dedans. Vous êtes pas à la bourre, vous deux. Hein. Non, tu peux pas aller dedans. D'accord, c'est une personne dedans, c'est tout. Ok. Et tu tires pas par-dessus les barils, donc c'est bon à savoir. Steve, recule. Allez, on switch. On switch. Ok, les combats à distance deviennent tendus. Ce qui est quasiment que des distances maintenant. Donc la tour, c'est pas... Parce que du coup, couverture bonus. Portée bonus. Ouais, je sais pas. Je sais pas, on va les laisser se soigner un peu. Sont toujours en train de récolter ce qui traîne. Non, là où ils ont fini. Il n'y a plus de récolte en cours. Ah si, il y a les récoltes là-haut. Cadeau reçu. Oh, c'est gentil, merci. Au niveau des recherches, rituel, je peux rien faire. Ici, par contre, j'ai la magie sacrée. Et ici, j'attendais pour expédition. Oui, c'est ça. Sinon, je pourrais craft les médicaments aussi.
utilisé en combat pour restaurer la santé des survivants. Utilisé en combat pour restaurer la santé des survivants. D'accord. Level up, Harry. Paf, tu encaisses. Donc il me faudrait. Ah oui, mais ça je peux pas. Bon, là-bas, j'aimerais bien que ce soit construit pour voir un peu si c'est cumulatif, s'il vous plaît. Tac, là, c'est passé à 11. Là, ça passe à 8. Oui, c'est cumulatif, d'accord. Donc... Priorité. Bah toutes les deux vous avez la priorité de faire les patrouilles. Notre crafteuse qui était partie en recherche aussi, voilà. Comme ça au moins ça va monter très vite la recherche. Là je pouvais faire du coup la nouvelle forge sacrée. Ou les tombes, mais les tombes demandent de l'eau bénite. Et consacrée aussi. Ah. La nouvelle forge sacrée. Tac. À côté de la forge démoniaque. Je trouve que c'est le meilleur endroit. Il faut aller faire souvent les tours de garde. Hein. Par contre, du coup, ça serait intéressant. C'est où? De potentiellement en poser un autre. Ici, un autre ici. Et un dernier, sachant que je pourrais pas. Un dernier ici. Voilà. Comme ça, éventuellement, quelqu'un qui fait le tour des postes de garde va réduire à quasi zéro l'attaque. On va voir. La forge se construit. Tout le monde est soigné, du coup, est-ce qu'on ferait pas un petit rush, choper des ressources, tant qu'on y est? Et là, il faudrait surtout des livres pour les recherches. Ouais, même si je vais les chercher en ville, je vais me faire retourner les livres. Oh, François, allez. Pas grave. Hein. Ah, vous l'avez vu, un combat et Jan est quasiment mort. Je suis pas encore bien équipé pour ces biomes-là. Hein. Ouais, non, ça fait trop mal. Au moins, j'ai deux livres. Chercher un troisième, c'est pas sérieux, mais je vais chercher le troisième. Ok. Allez, on va peut-être rentrer se soigner. On a trois livres, c'est déjà ça. Donc là, les recherches vont pouvoir avancer. Ok, on a la forge aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait crafter? De l'eau bénite. De l'eau et de l'alcool. Ah, oui, mais je fais pas d'alcool. Je
fais pas d'alcool. Et c'est tout, il n'y avait pas un autre truc avec? Recherche, rituel, non. Magie sacrée, forge, tombe, eau bénite, ah, l'armure sacrée. Le vaudou, éventuellement. Sinon, dans les rituels, l'autel maléfique et l'autel sacré. Invocation. Invocation. Invoquer et éliminer des fantômes pour obtenir rapidement de l'ectoplasme. Ah d'accord, on peut farmer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on a chopé l'armure bénite ici. 5 eaux bénites. Santé 170, c'est du palier 2. Moins d'esquive par contre. Ouais. C'est pas génial. Au niveau des recherches, ça pourrait être intéressant de partir sur les armes. Et là, j'arrive au Glock et compagnie. Uzi, fusil à pompe, grenade. Et je pense que déjà le Glock, c'est une arme de palier 2. 25 pour 6. Pour 6. Ouais, ce serait peut-être bien mieux. Sinon, dans fabrication, je peux faire ça pour pouvoir faire les composites. Et pour miner plus vite. Non, parce que ça, il faut un kit de recherche. Donc, quoi qu'il arrive, là, je suis bloqué. Et je suis en train de lire mes recherches. Merci. Ici, jardinage pour avoir la récupération des eaux de pluie. Pour avoir l'armure. Ça pourrait être une idée. Pour avoir le jardin d'herbes aromatiques. Et l'alcool. Et ça coûterait 2. Et dans les armes. Bon, on va faire ça, j'ai besoin des armes. On l'a vu, là j'ai beaucoup de mal sur les distances, il me faut des meilleures armes. Perforation d'armure, vitesse de déplacement. Oh, le couteau est bien. Arme automatique pour immobiliser les ennemis. On va chercher ça. Et là, je peux aller sur du Uzi du coup. Ce qui serait pas mal. Fusil à pompe, bref, il y a pas mal de choses là. Mon professeur, qui lui est spécialisé en recherche. Sur plus 40%. Voilà, du coup, tu es bien moins utile là-dedans. Par contre, Gabriel, du coup, tu vas gagner une arme à distance, je pense. Arme technologique ou arme maléfique. La recherche occulte, non. La fabrication, non, tu vas pas y aller. Après, sinon je te blinde sur l'esquive, ça pourrait être bien que tu prennes pas trop de dégâts. Ou l'adresse au tir. Juste l'adresse au tir, comme ça t'augmente ta précision. Voilà, on va faire plus de précision. Donc là-bas, ça se construit pas vite. Et c'est vrai que dans les recherches, j'aurais pu partir sur d'autres choses là. Bon, tant pis. J'ai l'atelier d'armes. L'atelier d'armes. On débloque pas mal de choses là. Au moins on avance, c'est cool. J'ai débloqué l'atelier d'armes. Là. C'est un peu le bordel dans la maison. Mais ça passe. Au niveau des crafts, je peux faire du coup du sandwich. Ah, il n'y a plus de bois du tout. Ah oui, on en est là. Vous avez fini les récoltes là-haut? Pas tout à fait.
On en est là. Bon, on va vérifier que vous ayez chopé tout le... Hop. Tout le bois de la map. Hein. Et on ira en replanter, je pense. On va en replanter. Et on va en replanter pas loin. Comme ça, ce sera pas trop chiant à les récolter. Hop. Voilà. Parce qu'au niveau des crafts, du coup. Portée 6. Ah, le Glock est quand même bien en termes de pistolet. Il faudrait que j'aille rechercher des livres. Ça n'avance pas les constructions, c'est beaucoup trop loin là-bas. Je réfléchis à mettre des tourelles un peu tout autour du campement, mais du coup ça diviserait énormément les troupes. Ce qui pourrait être une idée aussi. Le problème, c'est que je leur ai demandé un peu beaucoup de choses, là. Puis il reste encore de la pierre, ici, de l'argile. Après, le bois, je peux aller le chercher ailleurs. Alors, tous ces trucs-là... Non, vous avez pas de bois. Ah là, oui, c'est forcément vers l'industrie le bois. Allez. Un groupe de marchands. Un groupe de marchands. Vous vendez de l'eau bénite, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, 1000 points d'expérience, 1600. Je peux vous vendre ça, c'est sûr. Je peux vous vendre l'arc. Les armures, faut que je les équipe. Ça, je m'en sers tellement pas. Ça, je m'en sers tellement pas non plus. Des flèches, je peux vous en vendre quelques-unes. De la laine, je peux vous en vendre aussi pas mal. Voilà, parce que ça j'en récolte plein. Est-ce que je vous prends le livre du coup? Ouais, allez. Tac, je prends le livre. 1000 points d'expérience, ça ne se refuse pas. Allez, ici c'est parti pour quelques pillages. Bon, on va piller tout ce qu'il y a dans le coin. Ah, une nouvelle ville en haut. Je pille un peu par biome, comme ça sera plus simple. Faut pas que j'oublie qu'on est venu chercher du bois à l'origine. Allez, hop. Et du bois, eh ben, y en a pas des masses. Et les autres ressources, je dois dire qu'on n'en a pas plus besoin que ça en fait. Après, je les ramasse quand même parce que. Ce serait dommage de les laisser là. Il y a quand même des boîtes de conserve, ça fait de la nourriture.
ça fait toujours de l'expérience au combat aussi. Faut voir le côté positif. Du coup, niveau santé, oh, ça tient. Est-ce qu'on partirait pas là-bas, 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 là-bas? Ouais, allez, on va sur la petite lignée là-bas. J'ai pas regardé combien j'ai de bois déjà. De toute façon, le bois, c'est tellement vite consommé. Rassemblement mystérieux. Les chevaliers échangent quelques regards inquiets. Ils sentent tout le changement soudain dans l'air. Cette sensation de profonde malfaisance, des chuchotements résonnent comme s'ils étaient prononcés au loin. Chaque pas est empli d'effroi. Un membre de votre équipe part en éclaireur et vous attendez avec inquiétude tandis que les minutes laissent place aux heures. Au moment où vous vous apprêtez à partir à sa recherche, l'éclaireur revient et vous annonce qu'un groupe de démons est en train de faire face. Est en train de faire quelque chose dans une clairière à proximité. Vous vous demandez de quoi il peut bien s'agir et hésitez à intervenir. On évite les démons. Vous changez de direction et évitez les démons. Quoi qu'ils étaient en train de faire, vous espérez que cela ne vous affectera pas. On va faire comme si on n'avait pas vu. Ici, ici. Ouf, peu d'intérêt, mais on y va quand même. Ça aurait été bien de trouver d'autres survivants. Les deux qui restent là. Oh, ça devrait passer. On se fait les deux qui restent. On essaie de faire demi-tour. Après, j'ai toujours deux personnages corps à corps full vie. Hein. Et on va aller voir pour fabriquer potentiellement des flingues. Mais je pense quand même qu'il faut que je garde un ou deux corps à corps, quoi qu'il arrive. Voilà. Le demi-tour se fait en passant sur les trois points qui étaient dans l'axe du camp. Et on va rentrer. Après, j'ai pas l'impression que ça influe de tuer tous les démons autour sur les attaques. Hop, les derniers. Et vous rentrez. Vous rentrez avec quoi alors? Oh, des gilets de camouflage. La meilleure défense est de se rendre invisible. D'accord, veste en cuir, des flèches, de l'eau, 47 bois seulement. Ici, vous en êtes où? Vous avez fini de me raser la forêt? Non, bah non. Bah non, forcément. Ah merde. Un groupe de reconnaissance. Un groupe de reconnaissance, je suis pas prêt pour y aller là. Tout le monde est rentré. Hop. Faites les soins. Ok, on est reparti. Le groupe de reconnaissance, on va se le faire. Trois fantômes de possédés. Je vais souffrir à mon avis.
c'était pas prévu. Faut que je me serve des arbres comme couvert. Je vais attendre qu'il passe. Ah ouais, bah là, il y a tout le monde d'un coup. Donc, arrive à aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toutes les deux, vous avancez. Hop, et toi, tu te prépares et tu shootes la faucheuse. Tandis que toi, tu shootes la faucheuse aussi. Si vous pouviez me la tuer direct. Presque. Mais ok, recule, 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 recule. Allez, le fantôme. Ok, il reste quoi? Juste un chien? En bas, un chien et un possédé. Ça va. Toi, tu te prépares à y aller. Voilà. Oula, 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 oula. Oula, j'ai pas du tout prévu ça. Toi, tu back, toi, tu back, toi, tu back. Ah, il y a le possédé, il y a le fantôme, là. Non, non, allez, 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 recule, 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 recule. Oh non, 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 non. On a perdu Greg. Ils font tellement mal, les possédés. On a perdu Greg. Bon, c'est pas grave, on ira chercher quelqu'un d'autre, dès qu'il y aura une alerte. Faut que ça avance là dans le camp. Niveau ressources, c'en est où? Les salades, ça monte pas, hein, j'y arrive pas. En même temps, je crois qu'il n'y a pas assez de monde au champ. C'était pas Greg qui devait aider au champ? Je crois. Ah, il n'y a pas assez de monde au champ. Il n'y a pas assez de monde. Bon. Bah, Maria. Quand tu craftes pas et que tu récoltes pas d'eau, tu vas aider au champ. Et... Gabriel, non. Betty, non plus. Steve, t'es à fond dans la recherche aussi. Ouais, non, je manque de personnel pour les champs. En recherche, on en était où? On était dans les armes. On pourrait faire le fusil à pompe. Ouais, bof. Gilet Kevlar. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Des minéraux. Il va falloir que j'apprenne à extraire cette ressource. Ouais, c'est bien la merde là. Bon, je pense que j'aurai pas le choix, faudra que j'aille chercher des nouvelles personnes. Si, il y a un truc qu'on n'a pas fait encore. C'est le level up. Est-ce qu'on level up pas Noya? Noya qui est à fond en reconnaissance, portée, fusil de précision. Ouais, non. Bertha. Ah, Bertha, ça te ferait même pas level up d'avoir le livre. Demande d'assistance. Ouais, non, mais non, là, je suis pas prêt. Esquive, elle peut aller en reconnaissance. Ouais, c'est ça, on va plutôt claquer le livre sur Bertha. Voilà. Et ben la demande d'assistance, on verra plus tard.
parce que nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.